Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour ce premier jour, cette première soirée du troisième festival du Palais littéraire et musical. Nous allons chaque soir alterner la musique, le théâtre, la littérature. Et ce soir, nous commençons avec une institution à laquelle le Palais littéraire est très attaché, qui est l'Orchestre du Palais. Pourquoi ? Parce que le Palais littéraire, qui a été créé il y a 100 ans, plus de 100 ans maintenant, avait pour vocation de réunir des gens qui avaient dans le monde de la justice la même passion pour la littérature, pour la musique. Et l'Orchestre du Palais, qui a été créé en 1999 par André Fourcade et par un confrère trop tôt disparu, illustre parfaitement cette symbiose qu'il peut y avoir au sein du Palais pour rassembler des talents tellement divers autour de professionnels qui, par-delà l'exercice de leur talent oratoire pour les avocats ou autres pour les magistrats et les autres auxiliaires de justice, viennent vous offrir le talent de leur art musical. Je voudrais rendre hommage ce soir à quelques personnalités. D'abord, les plus modestes, si je puis dire, puisque ce sont des élèves avocats. Il y a, depuis quelques années, et pour la première fois ce soir, 4 élèves de l'EFB, l'école de formation du barreau, qui sont dans cet orchestre, et je pense que c'est un moment important pour eux et pour nous que de les accueillir au sein de cette formation. Je voudrais aussi remarquer la présence d'un magistrat important, Thierry Véred, qui est président de chambre à la cour d'appel de Douai et qui est venu ce soir pour se produire au milieu de cet orchestre. Je ne peux pas citer tout le monde, il y a beaucoup de talents parmi tous ceux qui sont là, venus d'horizons divers, mais je dois quand même saluer aussi 2 personnalités un peu atypiques. Mon ami Negar Aheri, qui est une pianiste soliste que vous entendrez à la fin de la soirée, et puis aussi un soliste flûtiste, puisqu'ils sont 2, qui est Thierry Véred. Je pense que vous allez avoir une très très belle soirée. Je ne vais pas vous dévoiler le programme qui sera énoncé par le chef d'orchestre Nicolas Lederman d'être ici. Je voudrais publiquement remercier Madame Chantal Arens, qui est la première présidente de la Cour d'appel de Paris et qui a bien voulu nous prêter cette salle pour que ce concert puisse tenir ce soir ici. Thank you.
Thank you.